on a réussi à aller se détendre un peu hier, on a été faire de la course à pied, on a été faire un peu de wing. Voilà, c'est aussi des choses qui permettent de se détendre et d'être au taquet, quoi. On va partir pour un parcours offshore de à peu près 24 heures. Et l'idée, c'est d'être demain à 14h à Alghero. Il faut se passer plein de transitions comme sur la première étape. Tu réussiras bien partir quand même. Et voilà, continuer à prendre du plaisir avec Thibaut et Pep, ça va être top. 24 heures, ça va aller vite, hein, en fait. Il va falloir être à fond tout le temps, je pense. Je pars avec Pierre Quiroga, qui est le skipper, qui va se mettre beaucoup sur ces 24 heures à la navigation. Et il y a aussi Baptiste Hulin qui est avec nous. Et en fait, tous les deux avec Baptiste, on va essayer de dédier du temps à Pierre à la nave. Et nous, on va faire marcher le bateau au mieux pour essayer d'aller où il veut et puis d'aller atteindre les vitesses cibles du bateau et même d'être bien par rapport aux concurrents, quoi. De progresser dans la préparation du bateau et notre préparation aussi de la navigation, donc on est à fond. On est en forme pour attaquer ce deuxième offshore, peut-être avec un peu plus de pression, oui, parce qu'on a gagné la première, mais bon, c'est plutôt bon pour le moral en général. Il va falloir bien ouvrir les yeux, surtout pas s'endormir, parce que vu les météos qu'on a, ça va pas être de tout repos.